Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors je vous ouvre ici dans la chambre parce que dans le salon il y a la machine à laver qui tourne, du coup ça fait un boucan pas possible. Prince est encore en train de dormir. Principe, il faut se réveiller, il est 13h là. En ce moment Prince il fait que dormir tard. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Il faut que j'aille à Ralph Lauren, dans un magasin Ralph Lauren, pour acheter un cadeau d'anniversaire. Le problème c'est que il y a ma pote qui est allée au Ralph Lauren à Marne-la-Vallée, il y avait strictement rien. Donc faut que j'aille dans Paris, je pense, à Madeleine, pour acheter un cadeau d'anniversaire parce que vraiment c'est un peu galère de trouver des bons Ralph Lauren avec de la avec du choix. Je sais pas s'il y en a un à Créteil-Soleil, je vais vérifier ça. Mais voilà, je dois faire des petits magasins, j'aimerais bien aller aussi à Action pour acheter du détachant. Parce que mes vêtements ils sont totalement tachés. Hop, je vous baisse un petit peu. Ah, on a un petit peu mieux déjà. Est-ce que quelqu'un m'explique pourquoi je fais ça un samedi? Ouais, il n'y a que à Paris en fait. Donc faut que j'aille à Madeleine. Ça me fait chier, ça me fait au moins une heure de route, une heure de transport juste pour ça. Mais bon, il faut ça pour acheter les bons cadeaux d'anniversaire pour nos amis. Donc on va faire ça. Ensuite, peut-être faire un petit tour à Ikea parce qu'il y a un Ikea juste à côté. Et comme c'est à Opéra, peut-être aller à Châtelet. Oh, un Châtelet à un samedi, mais je suis folle moi, vraiment j'ai un problème hein. On verra ce qu'on fait parce qu'en plus il fait super moche aujourd'hui. Que je reprendrai demain aussi, enfin faire un vlog sur plusieurs jours. Donc c'est parti, on va s'habiller, je me suis préparée. J'ai fait comme d'habitude un liner et j'ai mis un gloss. Je sais plus lequel c'est, attendez. C'est le gloss de We Makeup, c'est celui-ci. Voilà, c'est un petit rouge numéro 8. Allez, c'est parti, on va s'habiller. Bon, voilà pour l'outfit. Un truc très simple, je suis pas très fan du haut avec la veste et tout, mais c'est pas grave, je voulais trop mettre ce manteau, il est trop beau, il est incroyable. Je vais mettre ma petite écharpe, bad bitch, et on va y aller, c'est parti. A few moments later. Bon, eh bien, nous sommes quelques minutes plus tard, je pense une demi-heure plus tard. Je suis arrivée au tram, je n'avais pas de tram. J'ai regardé un petit peu les perturbations, tout est perturbé, ligne 7, ligne 8, enfin tout ce que je dois prendre. Du coup je me suis dit, bon Elisa, ça sert à rien d'attendre une demi-heure un tram, plus une demi-heure un métro, plus une demi-heure un autre métro. On va pas y aller aujourd'hui, voilà, le destin ne veut pas que j'y aille. Désolée pour le bruit, c'est ma machine. Donc je vais aller à Action, à Thiers Village, donc à Action, je vais faire un petit tour à Ikea, je vais peut-être aller voir Alizélis parce que j'ai un petit coupon à utiliser, je vais voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse là-bas. Et puis let's go, on va regarder un petit peu les nouveautés de Noël à Ikea, je crois qu'il y a un calendrier de l'Avent plus à Ikea. Et on va regarder aussi à Action ce qu'il y a de beau, allez c'est parti.
Bon, je suis actuellement en voiture, comme vous pouvez le voir. Je n'ai strictement mais rien trouvé à Action. Hop, je remets un petit peu droit. À Ikea, j'ai fait tous les magasins Action, je n'ai trouvé que du papier aluminium et un sac poubelle. Pour vous dire à quel point il n'y avait strictement rien du tout. C'était vraiment un peu la dèche. Même les décorations de Noël et tout, franchement, je trouve ça vraiment moche et nul. Du coup, voilà, je suis repartie bredouille. Il y avait énormément de monde aujourd'hui. Je sais pas pourquoi un samedi j'y vais comme ça là. Surtout que bah, là je vais à la Cerisaie. Donc c'est un autre centre commercial mais en plein air. Il n'y a pas grand chose là-bas, je vous avoue. Je sais pas pourquoi j'y vais, mais j'ai envie de me balader un petit peu. Il y a des bouchons. Putain, Elsa, mais pourquoi tu. J'en peux plus. Et ma soeur, elle va aller à Primark à Belle Épine. Donc c'est du suicide encore une fois parce qu'elle veut y aller à 17h. Là il est actuellement 14h43. 17h c'est le pire horaire pour y aller. Donc voilà, je suis ravie. Je vais aller avec elle parce que vas-y, autant se suicider ensemble. Et là je vais à la Cerisaie. Peut-être que mes voisins vont me rejoindre. Mais Ikea, il y avait vraiment des belles choses pour Noël, je trouvais. Mais après, j'ai vu un plaid, je vous l'ai montré en vidéo là. Le plaid il coûtait quand même 40€. Il était absolument pas doux. Genre vraiment, il était tout rêche, tout pas terrible, donc je ne l'ai pas pris. Mais j'aimais bien la couleur, le motif et tout, je trouvais ça super joli. Donc bon, on se retrouve à la Cerisaie. Je sais même plus ce qu'il y a comme magasin. Ah, il y a un Action. Bah, j'ai peut-être allé là-bas du coup, parce que je veux vraiment trouver mon détachement, parce que je ne l'ai strictement pas trouvé. Regardez, là, je suis à 50 alors que c'est 90. Avancez, s'il vous plaît, il n'y a personne devant. Vous avez le champignon, vous pouvez appuyer dessus, il n'y a aucun souci. C'est super dangereux, hein, je suis désolée. Donc, bref, 3 minutes que je parle, j'en peux plus. Bon, du coup, là je suis partie de la Cerisaie, ma soeur me rejoint à Belle Épine. Mes voisins m'ont dit, Lisa, attends-nous, on arrive à la Cerisaie. Je leur ai dit, écoutez les gars, je pars. C'est un micmac pas possible. Et là, il y a mon facteur qui m'appelle, il me fait, Lisa, t'es où? J'ai un colis pour toi. Je dis, j'arrive. Je suis sur la route. Ah putain, c'est un bordel. Mais je savais pas qu'il venait à 16h le samedi là. Il m'a dit, je t'attends et tout devant la résidence. Il était trop mince. Ah putain. Ce qui est bien, c'est quand j'ai toujours le même facteur pour Colissimo. J'ai jamais un autre, ça c'est cool. Bon, je suis vivante. Le facteur, il m'a filé le colis par-dessus la fenêtre et tout pendant que je faisais la queue pour rentrer chez moi parce qu'il y avait une queue pas possible. Du coup, bah, il m'a filé le colis et juste là, peut-être je vais vous l'unboxer dans cette vidéo-là. Et j'ai trouvé des petites choses à Casa, je suis trop contente. Vous savez, c'est les tasses comme ça. Je les ai trouvées trop belles, c'était 15€ les deux. Vraiment trop mimes. Donc moi j'aime bien les tasses transparentes avec des effets et tout. Et là je suis trop contente, j'en ai vu. Il y en avait un plus petit, etc. Je vous ai montré. C'était
C'était assez mignon. Et à Action, du coup, j'ai pris un sac poubelle pour la litière des princes et du papier aluminium. Voilà, je n'ai pas trouvé mon détachant, donc je suis ravie. Donc là, ma sœur, elle arrive bientôt. Je suis essoufflée. Elle va partir de la maison. Ok, je pars de la maison. Ok, donc elle arrive d'ici 5 minutes. Ce qui est bien avec ma sœur, c'est qu'on habite vraiment à 5 minutes l'une de l'autre. Donc ça, c'est vraiment pratique. Écoutez, ma sœur. Hi, bitches. I am arriving soon in about 2 minutes. So be ready. Voilà. Hi, bitches, too. I am coming now, so be ready you two. I hope that your MasterCard is ready for the shopping at Primark because it arrived some new collection in Primark for Christmas. So voilà, allez j'y vais. Mimi, tu mets ça. C'est ça. Oh mon dieu. Avec les chaussures de pétasse. Et il y a les chaussures roses. Hein. Oh, regarde les chaussures roses là-bas, Mimi. Oh my god. C'est horrible, Mimi. On dirait un champignon. Mais non, ça va bien. Mais non. Bon, je reviens de Belle Épine. J'essaie de vous montrer comme je pouvais au début, mais après il y avait beaucoup trop de monde, c'était impossible. On est passé à Carrefour, donc j'ai pris comme d'habitude des petites viennoiseries comme ça pour le matin. Franchement, si j'avais pas ça, je mangerais pas le matin. J'ai pris des Paris-Brest. Alors, pour ça, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point j'avais envie de Paris-Brest. Si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est ElisaBRTOff. Du coup bah, je me suis acheté des Paris-Brest et je vais manger un Paris-Brest parce que je n'en peux plus. Je me suis acheté aussi ça. Bon, de base c'est pas celui-là que je prends comme démaquillant, mais il n'y avait plus que ça et j'en ai plus, du coup bah, j'ai pris ça. Je me suis repris, ça faisait tellement longtemps, ça faisait un an, des chocolats au thé matcha. C'est super bon, c'est mon chocolat préféré de chez Jeff de Bruges. Donc j'ai coupé ça 3€ les 6. Et ensuite j'ai fait des achats chez Primark, mais je vous montrerai ça demain à une meilleure lumière parce que là je vais chez ma soeur regarder la Star Academy. Donc on se retrouve demain pour le haul Primark et aussi Shein. J'ai un gros carton à vous montrer avec tous les vêtements, etc. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. On se retrouve demain. Juste regardez comment c'est trop beau avec ce vert. C'est trop beau. Oh, j'adore ce vert. Ça vient de chez Casa, c'est celui que je vous ai montré hier. Trop beau. Bon, nous sommes le lendemain, nous sommes le dimanche. Il fait extrêmement moche. Genre, j'ai jamais vu un temps aussi pourri. Il n'y a aucune lumière. Vous n'êtes même pas droit, mais ce n'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, j'ai mis un petit pull avec le même pantalon d'hier. Un petit pull qui vient de chez Jennifer. Il est trop bien, tout doux. Et j'ai mis un rouge à lèvres qui vient de chez Rare Beauty. Parce qu'à chaque fois, on me demande mes rouges à lèvres. Et puis là, bah, je vais aller donc à Ralph Lauren en espérant avoir des putains de transports. Mais il pleut dehors, du coup c'est génial, je suis ravie. Faut vraiment être motivée hein, pour acheter les cadeaux d'anniversaire de ses potes. J'espère vraiment qu'ils auront ce que je veux. Après j'aimerais bien aller à Châtelet. C'est ouvert Châtelet à cette heure, le dimanche? Mais oui, normalement oui. Châtelet, Bershka, parce que j'aimerais bien trouver les chaussures. J'ai vu des chaussures hier, peut-être que je vous mettrai une photo. Et j'ai adoré, sauf qu'il n'y a pas ma taille. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Je vous emmène avec moi en espérant qu'il y ait tout ce que je veux. Bah, attendez, j'ai mon métro dans 20 minutes, du coup j'ai un peu le temps. Je vais vous montrer mes achats à Primark. J'ai trouvé ça, ça m'a coûté 20€ je crois. Mais je trouve ça trop beau. Et c'est vraiment exactement le style que je veux cette année. C'est un pull de base avec une chemise comme ça. Mais moi je l'ai pris en XXL. Du coup je l'ai pris pour vraiment faire une espèce de robe. Alors c'est un petit peu court pour une robe, ça c'est clair. Mais franchement elle est trop, enfin c'est trop doux. C'est vraiment d'une matière incroyable. Il existe aussi en noir je crois, mais franchement le beige il est magnifique avec des cuissardes. Vous mettez quand même un shorty parce que vraiment c'est ralafouf sinon. Vraiment trop beau, je suis trop contente. Ensuite j'ai pris des petits pulls. C'est vrai qu'il m'en manque beaucoup des petits pulls comme ça là, comme vous voyez ici. J'en ai pas, tout simplement. Du coup à Primark j'ai vu celui-ci.
en verre basique avec un col roulé à 10€. La matière en fait elle est en matière recyclée, c'est la nouvelle collection recyclée etc de Primark. Donc, franchement trop contente, ça a l'air assez fluide, je l'ai pris en taille XS parce que vraiment le XS regardez comment il paraît super grand. Enfin hyper large et tout, donc j'ai pris XS, de toute façon il n'y avait pas d'autre taille. Et j'ai pris un autre pull, celui-ci je l'ai déjà en noir et j'adore le noir du coup. Non mais prince arrête de rentrer dedans. Voilà 10€ aussi taille M parce que les tailles elles sont un peu bizarres, vraiment prenez une taille au-dessus pour celui-ci. Et vraiment trop contente pour le petit pull. Et j'ai pris des collants parce que je n'ai plus de collants et à Calzedonia ça coûte tellement cher. J'ai pris du taille M en collant, je sais pas si ça va m'aller. J'ai pris avec des petits pois et un trait comme ça fin. Aussi avec des cœurs et tout, j'ai trouvé ça trop mignon donc genre j'avais vu ma taille. Donc voilà pour les petits collants, 4€ l'unité. Pour Ralph Lauren en fait j'aimerais bien trouver une chemise casual, genre vraiment coton et tout, qui pourra mettre tout le temps. Ou alors une veste, ou alors une chemise plus une écharpe, enfin on a un beau budget je trouve parce qu'on est quand même 11 ou 10, donc on met environ 20€ par personne. Donc voilà c'est parti, let's go! Bon ça y est j'ai récupéré le petit colis pour mon pote, on a pris une chemise camel et une super belle écharpe. Trop trop bien, il va être gâté, je suis trop contente pour lui. Donc là, il faut que j'aille à Bershka pour essayer de trouver mes bottines. J'espère qu'ils en ont. Sinon, je vais devoir aller à Pont-Neuf. Ça a grave changé parce qu'avant, là, avant, c'était pas un Stradivarius. Là, c'était un new look. Ça a grave changé. Mais j'espère qu'il y aura mes chaussures, là, vu comment c'est grand. Oh, les chaussures roses. Si Cindy voyait ça. Bon, elles sont là, mais il n'y a pas ma taille. Putain, il n'y a que du 38. Je le sais, moi. Bon, je viens de rentrer, il fait quasiment nuit, il est que 15h. Je suis passée à Stradivarius, ils avaient vraiment, franchement à Châtelet-Les Halles, ça a bien changé. Le Stradivarius est gigantesque, le Bershka est encore plus grand. Par contre, voilà, au Bershka, il n'y avait pas mes chaussures, c'est en rupture nationale, du coup, voilà. Mais j'ai essayé d'autres coloris pour avoir ma pointure et je fais du 39. Et donc, je suis passée à Stradivarius et j'ai essayé un jean taille 38. Je suis trop contente de taille 38. Bon, il est un petit peu trop large au niveau de la taille, comme toujours. Mais franchement, il est grave mime, c'est un jean brut. Il m'a coûté 29,99€. Franchement, j'achète très rarement des jeans et encore moins des jeans avec des boutons. Je n'aime pas ça. Mais il est tellement confortable, vraiment j'ai trop kiffé ce jean, j'ai trop hâte de le porter parce qu'il est vraiment excellent, donc je suis trop contente de l'avoir pris. Surtout mes pantalons viennent de chez Stradivarius, là mon pantalon là ici il vient de chez Stradi, je l'ai en beige, en vert, franchement ils sont géniaux leurs pantalons, je vous les conseille. Du coup je suis allée à Ralph Lauren, donc il m'a donné un petit sac de pluie et tout, c'est trop mignon. Le vendeur était trop gentil, il s'appelle Alexandre, il est vraiment trop chaud. Donc si un jour vous passez à Ralph Lauren à Madeleine, que vous passez de la part d'Elisa, voilà, peut-être que voilà, il va être content de savoir que j'ai recommandé des gens. Mais voilà le petit paquet pour mon pote. Regardez comment ils sont beaux les paquets, ils sont magnifiques. C'était vraiment galère d'être d'accord. Pourtant on n'est pas nombreux non plus, mais vraiment c'était un peu galère, j'ai pris en photo quasiment tout le magasin. Le vendeur était à bout. Enfin je l'ai mise à bout. Trop mignon, le vendeur il était hyper patient et tout, franchement trop gentil. Du coup on avait vu pas mal de chemises, il y avait une chemise qui était vraiment belle mais je pense que mon pote avait la même. Du coup on est parti sur une chemise polo, avec une matière polo vraiment trop belle. Il m'a sorti tous les coloris. Et au final on a craqué pour la chemise camel, si j'ai une photo je vous la mettrai. Belle chemise camel, trop belle, et aussi une écharpe, parce que la chemise était à 129€, donc ça allait en soi je trouve. On avait un budget de 200€, et après on a regardé donc les écharpes, et tout le monde a kiffé l'écharpe bleue, donc on a pris cette écharpe là, qui a coûté 90€, donc en tout 218€, je pense qu'il va être vraiment content, parce que ce genre d'ami il aime bien les belles choses, etc, il aime bien acheter de la qualité, donc là, franchement je pense qu'il va être content des cadeaux d'anniversaire. Et voilà écoutez au moins je suis contente, c'est une chose de faite pour mon ami, au moins il a ses cadeaux d'anniversaire, c'est la semaine prochaine son anniversaire donc on s'est pris un petit peu tard mais au final franchement tout s'est bien dégoupillé. Et puis bah voilà je vais vous laisser là, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, et aussi j'ai un TikTok si ça vous intéresse, c'est ElisaBRTOff avec 3 F à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker mes comptes. Et puis bah voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos se ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.